Amis gamer gamers, mes salutations et c'est Dom alias Dovahkiin, c'est FactorGeek.com et bienvenue dans ma série Exploration. Pour cette édition, je vous présente le jeu Rise and Shine sur Xbox One. En fait, Rise and Shine, c'est un jeu développé par Super Mega Team et publié par Adult Swim Games, deux studios indépendants. On retrouve là-dedans une belle dualité en fait entre le type puzzle de réflexion puis jeu de tir d'arcade en 2D. On doit camper le rôle d'un jeune homme se prénommant Rise, dont le titre du jeu, vivant sur la planète Gameheart et qui voit son monde pris d'assaut par des envahisseurs, les Space Grunt, en provenance de la planète Next Gen. Ils ont cherché longtemps pour le nom, mais c'est comme ça. S'ensuit un combat où le protecteur de Gameheart, qui est notre planète à nous, se fait tuer malheureusement et meurt devant nous et nous lègue son fameux pistolet, une arme vivante qui s'appelle Shine, d'où l'autre nom pour le jeu. Donc, dès lors, on devient le seul espoir pour sauver notre monde. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Rise and Shine. C'est un jeu qui est disponible sur PC via Steam au coût de 16,99$ et sur Xbox One via Xbox Live pour une modique somme de 14,99$. Donc voilà, sans plus tarder, je vais me lancer dans Rise and Shine. Choisir notre profil. Voilà. C'est parti. Donc, j'ai pas joué. C'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Jamais joué à Rise and Shine. Je sais qu'est-ce qui m'attend. J'ai reçu le code. Puis bon, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant. On voit qu'il est en français, au moins. Là, on a une nouvelle partie, tutoriel, changer la scène, charger la scène et paramètres. Regarde les paramètres. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a commande. Donc, dégainer l'arme, LD. Tirer RD. Changer de balle, ça c'est RB. Changer de module LB, se déplacer. Donc, le clic de gauche. Foncer Y, action à couvert B, sauter A, recharger X. Viser le joystick de droite. Ok, d'accord. Musique, ça c'est correct. Le son, c'est correct. Zone mortelle. Et ça fait quoi ça, une zone mortelle? Je sais pas. On va laisser ça comme ça, c'était comme ça. Donc, j'ai aucune idée. Peut-être que ça. Ça augmente la difficulté de jeu, j'ai aucune idée. Je sais pas. Donc, on va faire le tutoriel. Parce que j'ai jamais joué. On va voir ce que ça va donner ce côté-là. Bienvenue dans le tutoriel assez ennuyeux mais très court de Rise and Shine. Utilisez le stick analogique gauche pour courir et atteindre le drapeau. Bon, ok. Yes! Wow! Utilisez la touche A pour sauter à l'aide de votre arme. Vous pouvez même faire un double saut si vous voulez. Waha! Bon, ok, c'est parti pour la castagne. Gardez la gâchette gauche appuyée pour dégainer et viser avec le stick analogique droit. Puis appuyez sur la gâchette droite pour tirer. Ok. Ben, c'est ce que je fais là. Bon. D'accord. Oh. Ouais, c'est parce que je t'ai eu là. Bon. Vous n'avez plus de balles dans la chambre. Appuyez sur la touche X pour recharger. N'oubliez pas, vous disposez de balles infinies, mais vous aurez besoin de recharger de temps à autre. C'est fait. Il est temps de foncer puis sur la touche Y en courant dans n'importe quelle direction pour foncer. Ah! Donc on peut se protéger. Ok. Relâchez la gâchette gauche pour vous mettre à couvert. Ça c'est fait. Évitez deux balles à vous mettre à couvert. Ensuite, appuyez à nouveau sur la touche B pour quitter votre couverture.
Bon, c'est terminé. Ce n'est pas si terrible. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le menu pour quitter ce niveau et j'ai pas eu le temps. Donc, c'est ça. Bon, ben, on va faire une nouvelle partie. Commencez une nouvelle partie, effacera votre progression actuelle. Quelle progression? Je commence. Donc, il y a deux modes. Il y a le mode normal, mais je pense qu'une fois qu'on a fini le mode normal, on débloque le mode Iron Man. Parce qu'il n'est pas disponible là. Game Heart a été envahi. Un enfant nommé Rice se retrouve dans une guerre qu'il ne comprend pas, mais à laquelle il pourrait mettre fin. Ouh! C'est du scénario, ça? Donc, on commence comme ça. Ok. Ça m'appelle Space Invader. Rise! Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois quitter la ville! Tomox, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les petites armes à l'œil. Écoute, Rise, écoute-moi, tu dois partir d'ici le plus vite possible. Tu m'entends? Oh, ouais, mais tu n'as pas l'air. Vite, va-t'en, Rise. Je vais essayer de voler encore un peu pour que tu traces cette chose pendant que tu. Que je quoi? Oh, ok. Ben, Angry Birds ou mélangé avec Duck Hunt. Ben, faut savoir que le jeu, il y a beaucoup de. J'ai lu ça sur le blog des développeurs en fait, il y a beaucoup de level 998, on va pas te montrer. Là, je fais rien finalement, je bouge pas rien. Mais ça, il y a beaucoup de références à plusieurs jeux, soit Sony, Nintendo, Microsoft, etc. Donc, c'est un bel hommage aussi. Là. Une heure plus tard. C'est quoi, j'ai battu le boss une heure plus tard, je sais pas. J'ai aucune idée là-dessus. Petit temps de chargement ici, là. Rien de trop grave. Ok, je suis maintenant rendu dans un centre d'achat. Oh, wow, wow, wow. Blam! Ne t'avise pas même pas de bouger les petits doigts. Bien sûr, laisse-moi juste. Hey, c'est pas une référence à Link de Zelda, mais pas du tout ça, hein? Un petit chapeau bleu au lieu d'être vert, les oreilles en elfe, tout ça. Wow. Blim! Oh, je pense que. Bon, ça c'était le sauveur, je crois que j'avais pris dans le scénario. Oh. Tout va bien, petit? Guerrier légendaire. Ouais, ça va. Heureux de l'entendre. J'ai bien peur que ce soit le cas pour moi. Par contre, je suis à court de respawn. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Rise. Un nom parfait pour le destin qui t'attend. Prions les créateurs que la planète reste en un seul morceau. Mais ils ont en paix avec les grands de la planète. Nouvelle gemme. Nouvelle génération. Ça, c'est bon ça, pareil. C'est des bons noms ça. Pourquoi est-ce qu'ils détruisent notre monde maintenant? Personne ne le sait. Peut-être qu'ils aiment juste beaucoup se battre. Mais écoute. Tu es le gardien de Shine à présent. Shine est l'arme sacrée qui nous sauvera de tous. Prends-le, Rise. Shine est à toi maintenant. Je ne suis pas, je ne peux pas. Regarde autour de toi, mon pote. Il n'y a aucun autre survivant. Tu dois être courageux pour tout Game Art maintenant. Apporte juste Shine à notre roi, il saura quoi faire. Shine te donnera des respawns infinis et plus de résistance. Tout ira. Bien, les guides sont avec toi maintenant. Les guides?
Mais si tu étais gardien de chaîne, pourquoi est-ce que tu ne respawns pas maintenant? Ben, t'es un malin, c'est. C'est parce que. Parce que je viens de mourir finalement. Ben, il vient de mourir, pas moi, là, lui. Est-ce que je peux faire quelque chose d'ici? Je pense pas. Non. On sent de l'arme, mais ça gaspille pas de munitions par contre lorsqu'on saute avec. Ok. Oh non, on nous voit dans un beau merdier, petit. Ah, ok, l'arme c'est vrai, elle est vivante donc elle me parle. Quoi? Exactement ce qu'il me fallait. Me voilà babysitter à plein temps maintenant. Tu n'es pas un guerrier légendaire, je vois bien, mais on va essayer d'y arriver. Tout ce que tu dois faire, c'est m'apporter au roi. Ah, juste ça, vraiment. Je l'ouvrirai si je vois quelque chose qui puisse nous servir. Essaie juste de ne pas te faire tuer chaque fois que tu fais deux pas, d'accord? Ouais, je vais essayer. Je garantis rien, par contre. Ah, ça, faut que je brise la vitre, ici. J'aime vraiment le graphisme du jeu. Sérieusement, c'est superbe. Belle direction artistique, là, honnêtement. Là. Bon. Allez. Sors de ta cachette. Wow. Ok, ça, ça veut dire que c'est difficile qui est... Oh, ok, puis en plus de ça, il y a du... Non, 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 non. Pas évident, hein? C'est pas d'être quoi, ça? C'est pas les trucs qu'ils font au milieu de la rue. Ouais, si tu le dis. Au fait, permets-moi de te présenter ma vision laser. Elle est beaucoup plus utile que toi. Je n'ai pas besoin de lui essuyer les fesses, par exemple. C'est très bon. Donc, la vision laser. Ok, là, ici, il faut que... Et... D'accord. Ça, c'était pas bon, ça. Je suis mort pour la première fois, donc voilà. Ouais, présentement, j'ai quelques commentaires sur la chat de Twitch, puis effectivement, ils sont d'accord avec moi. La direction artistique, le jeu est vraiment beau. Là. Bon, ok, je suis encore mort. Ça va super bien. Ça, je m'étais fait dire déjà que le jeu était très difficile. Donc, ok, je me fais blesser. Je me fais tuer une fois maintenant, puis je meurs. C'est pas trop compliqué, là. Donc, faut y aller stratégique. J'ai l'espoir que ça va. Il y a encore du feu. Ah! Wow, c'est pas évident, hein? Sincèrement, hein? Je pense qu'on a de la difficulté avec le jeu. Parce que je comprends pas, c'est qu'au départ, je me faisais toucher plus qu'une fois, puis je mourrais pas, mais là, ça a l'air que oui. Donc, ouf.
ça, je pense pas. Sérieux, là? Je me fais toucher une fois puis c'est fini, donc faut vraiment que je trouve une stratégie là. Ah, ça a mieux été ce coup-là. Là. Oh, il a pas aimé ça, hein? Je l'ai repéré. Ok. Oh, je peux pas trouver d'autre chose. Au moins, on peut revenir dans le niveau, c'est bien ça. Yes, bon. Eh bien, tu n'es pas aussi inutile que tu le parais, petit. Tu as trouvé le module radio guidé. Avec cette chose, tu peux contrôler les balles après que je les ai tirées dans un rayon déterminé, bien sûr. Là, c'est le fun parce que pendant que j'avais ça, je trouve ça pas pire, par exemple, c'est que je suis mort pendant que je regardais la petite cinématique. C'est bon, ça. Je pense pas. À date, j'ai pas vu de place qu'on peut. Comment je peux dire ça? Donc, améliorer sa jauge de vie, mais j'ai remarqué qu'elle remonte tranquillement. Donc, sélectionnez le module radio commandé avec LB, tirer avec RT, déplacer la balle et ajuster sa vitesse dans les cercles radio avec le joystick de droite. Appuyez à nouveau sur RT pour tirer la balle super vite. Ouais, ok. Donc, si j'ai compris l'astuce, faut que je sélectionne le module. Que je tire. Oh. Voyons. Ah, ok, faut que je me rende là-bas, c'est ça. Bon, c'était pas si compliqué que ça. Faut juste. Question de pratique, j'imagine. Une espèce de grosse clé ici dans le décor. C'est jamais bon. Ouais. Ouch. Je me suis fait griller. C'est assez clair, là. Bon. Et dans ce jeu-là, faut vraiment avancer tranquillement. Là. Non! Ah! Ou se sauver, finalement. C'est un des deux. Bon. C'est-à-dire que vous me trouvez pas bon, c'est correct. J'assume, c'est pas mon style de jeu, de toute façon, donc... pas plus grave que ça. Ok, mais là, c'est, je pense, c'est assez évident ce que j'ai à faire, là. Oh, non, donc, ça serait où? Non, ok, ah oui, oui, je viens de le voir, ok. Non, ça n'a pas commencé. Ah, viens de le voir. Et voilà, boum!
Oh, il y a un petit coffre ici, là. Intéressant, je vais aller voir ça. Ha! Ok! C'est un piège, finalement, là, j'ai trouvé. Joli! Maintenant, je peux mettre une balle supplémentaire dans ma chambre. Ouais, il y en a qui mettent des balles, moi je mets des posters, ça dépend, tu sais, c'est... On va changer tout de suite. Oh, wow, wow. Il a pas la commode, lui. Ah, j'ai fait un headshot! Sa tête allait exploser. Ouais, c'est assez violent, hein? Même son petit côté BD interactive, enfantin, je dirais que le jeu est assez violent, merci, donc c'est pas... pas une bonne idée de... C'est quoi ça? Ah! Ok, ça, bon, d'accord. Faut que je pense que je saute par-dessus. Le jeu est plein de surprises, hein? Donc, c'est ce que je disais, faut pas mettre ça devant un enfant parce que c'est pas une très bonne idée. Ah, je vais essayer quelque chose. Non, parce que lui ici il en tire de ça. Ah ouf. Je me suis comme évaporé en pixels. C'est pas pire ça. Hey, j'aime vraiment ça, sérieusement. Il y a beaucoup de. Je disais qu'il y avait beaucoup de. Wow. De référence. Bon, ok, non. Contre lui, c'est pas une bonne idée d'essayer ça. Je pensais peut-être de faire original, mais finalement j'ai plus besoin d'un con que d'autre chose. Hey! C'est pas pire le petit ange qui est parti au paradis. Voilà, ok. Non, ok. C'est ici là, c'est clairement une référence à Donkey Kong, c'est clair. Je veux dire, ils peuvent pas me dire que c'est d'autre chose que ça, là, c'est sûr que c'est ça. Headshot. Hey, je trouve ça vraiment cool, le petit ange, par exemple. Je vais attendre que ma vie remonte, parce que là... c'est assez... Ouais, j'ai un petit commentaire ici qui dit sur la chat que... Ah! Okay, mais il va s'arrêter d'en lancer de ça? Bon. Non. C'est à mon tour de jouer comme lui. Là. Hey, c'est pas évident, hein? Ok, je me rends pas. Je me rends pas assez haut. Il doit y avoir quelque chose de certain. Ok. Pourquoi je me rends pas assez haut? Qu'est-ce que je fais que je comprends pas? C'est clair que je vais mourir. Oh! Je l'avais! Bordel! Oh, il est pas évident celle-là, hein? Faut vraiment synchroniser nos mouvements. Mais bon. C'est, en fait, c'est que faut suivre les ondes radio. Ben, en tout cas. Genre, faut vraiment aller dans les cercles comme ça. Oh yeah! Je t'ai eu, enfoiré. Ok, je pensais qu'il m'avait eu avec. Je dis, ah non, s'il vous plaît, là. Ah, il y a un petit coffre ici. Je sais pas comment y aller par exemple maintenant. Donc, peut-être en entrant. Ah, il y a quelque chose ici, ça c'est cool. C'est une boîte pleine de balles électriques, ça fait un bail que je n'ai pas tiré une de ces balles. Ouais. Et comment je les recharge? Ça veut dire comment je les charge? Ou c'est quoi que ça puisse paraître, il y a une notice explicative très pratique pour t'aider. D'accord, qu'est-ce que je peux faire avec ces nouvelles balles?
Malheureusement, elles ne vont pas te faire grandir plus vite, mais elles vont causer des dégâts aux robots et autres machines. Bon, sélectionnez la balle électrique avec RB, amusez-vous. C'est assez simple, c'est comme, ouais, c'est ça. Et là, j'ai vu mon petit coffre tantôt, donc je vais aller l'ouvrir. Bon, j'ai trouvé une balle, c'est bien. Donc on va essayer ça maintenant. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, c'est trop tranquille présentement. Ok, ici je crois qu'il faut que je tire le... Ok, il me reste... Ça t'a pas bien avec ça, hein? Ah, sérieux? Je l'ai presque. Ah! Ok, là, je vais laisser ma vie remonter un peu parce que là. C'est vraiment comme. Ah, c'est une question de réflexe, hein, sérieusement. Mais je t'ai eu pareil. Salopard. Bon! Ah, je me débrouille quand même pas si pire finalement. Je suis meilleur que je pensais. Parce que dans ce jeu-là, c'est 0 plus une barre, sérieusement. Hein. Voyons où ça mène. Ah, le jeu, il est vraiment, mais vraiment beau. Sincèrement, là, juste un gros wow. Wow! J'ai trouvé des êtres humains. Rise! Maman? Rise, je croyais t'avoir perdu! Je vais bien, maman. Yes! C'est grâce à Shane que j'ai réussi à arriver ici vivant. Ça roule? Avec une voix d'Eddie Murphy, mettons. Hein? Hey, ça filoche! Et papa? Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis que la guerre a éclaté, mais je suis sûr qu'il va bien. Papa est l'un des meilleurs soldats qui se battent pour nous là-bas. Il reviendra. Oh, je suis tout mignon! Maître Mage, le guerrier légendaire me l'a donné avant de mourir. Les Grunts l'ont tué. Right, je suis content que tu ailles bien, gamin. Où as-tu trouvé Shane? Oh, il aurait fallu que je lise celle-là avant, c'est vrai. Dans les bandes dessinées, c'est toujours la celle en haut, puis après ça. Ouais, en tout cas. Bon, vous avez compris, là, anyway. On dirait le Père Noël, sincèrement, là. Oh, voilà une bien mauvaise nouvelle. Si le guerrier légendaire est mort, cela signifie que c'est toi maintenant le gardien de Shane. Rise. Au moment où tu acceptes l'arme, un lien fort s'est créé avec les guides. À présent, les guides contrôlent toutes tes actions. Grâce à eux, tu auras peut-être une chance contre les Grunts. Mais je crains que votre union ne pourra peut-être ne pourra pas être brisée tant que les guides qui te contrôlent ne décideront de le faire. C'est pour ça que tu ne peux pas confier Shane à quelqu'un d'autre pour l'instant. Je suis désolé, petit. On dirait un mélange de roi mage, de Père Noël, puis du père fourreux avec un peu de Gandalf. Sérieusement, là, mais bon, en tout cas. Puis les Grunts, on s'entend que c'est comme les Covenants dans Halo. Hey, j'ai la misère, là, c'est bon. Mais le guerrier légendaire m'a dit d'apporter Shane au roi. Ah, le roi lui seul sait où est cachée notre âme ultime. Et Shane en est la clé. On raconte que cette arme peut anéantir toute menace que la planète rencontre. Alors, je suppose qu'il est temps de tenter le coup, hein? Mais il est dangereux de partir seul. Prends le gros dur avec toi jusqu'au palais. Il a déjà tué 300 Grunts en venant ici. D'accord, soldat? Bien, affaire conclue, bonne chance, Rise. Les vies des millions dépendent de toi maintenant. J'ai toujours voulu ça. Ouais, mettons. On dirait que je dois partir sauver la planète, maman. J'aurais préféré que cette quête soit celle d'un autre, Rise. Mais, sur Game Art, tout le monde est appelé un jour ou l'autre pour sauver l'univers. Ton père le fait tous les 2 ans et il revient toujours à la maison. Bon. Sois bien prudent, mon chéri, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman. On se revoit bientôt. Ouais, mettons. Guide, je vous en prie, protégez mon fils. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Petit temps de chargement encore.
Sérieux, là, le jeu, il est jusqu'à date, il est A1. Là. Je veux dire, j'ai rien à reprocher, là. De l'humour, un scénario bidon, mais qui fait la job quand même. Personnage attachant. La direction artistique est juste malade. C'est juste du wow jusqu'à date. C'est du wow factor. C'est du bonbon pour les yeux. J'ai gros tueur avec moi. Je sais pas trop comment le contrôler, mais ben, il va peut-être me défendre seul aussi, je sais pas. Cheats and apps. Donc, t'inquiète pas, petit, je te conduirai au palais sain et sauf. Reste ici pour l'instant. Yes. Gros dur. Je pars devant, j'anéantirai tous les ennemis avec mon attaque laser méga atomique. Je te laisserai l'essayer plus tard si tu es sage. Good. Je vais juste attendre ici alors. Oh, il était solide! Ouais, c'est ça. Qu'à dire de plus que trois petits points. Qu'est-ce que tu veux que je fasse rendu là? Je veux dire, cette mine était un coup dur pour le gros dur. Oh! On a un jeu de mots ici. Bien, continuons. Je sais que tu adores te jeter sur les mines et les balles ennemies, mais essaie de mourir le plus possible. Hein? Je sais que tu adores te jeter sur les mines et les balles ennemies, mais essaie de mourir le plus possible. Ah, ok. Si t'insistes. Non, je peux pas aller là, visiblement. Ok, il y a quelque chose. Ah, ok, oui, ok, je viens de voir là. Donc, faut que je prenne ça ici. Ouais, non, mais là, je vais changer d'arme par contre. Je vais aller peut-être avec la munition. Wow, ok, c'est pas évident. Okay, faudrait que je cherche tirer premièrement. Ok. Il y a quelque chose qui me dit qu'avec un clavier et une souris sur ordinateur, ça va être plus facile à contrôler. Je l'avais quasiment. Donc, est-ce qu'il faut que je passe par là? Non, c'est ça. Faut vraiment que je passe par là. Quelque chose faut que je fasse éclater finalement. Ah, c'est pas ça. Ah, je vais le trouver, je vais le trouver. Ouais, quelqu'un me fait remarquer sur le chat que ouais, c'est peut-être une erreur de traduction lorsqu'il a dit dans le fond que c'était faut que je meure le plus doucement possible. Ah, ok, faut que je vise la lumière rouge. Pas évident tout ça par exemple. Ah, oh, je l'avais quasiment. Bordel. Ah. Ouais. Je me souviens la fois que j'ai contrôlé quelque chose comme ça dans un jeu. C'était, je pense, dans Heavenly Sword sur PS3 lorsqu'il fallait tirer des flèches. Hey là, ça se peut-tu? Puis, il fallait tirer justement à distance des ennemis. Je trouvais ça cool. Je vais y arriver. Je suis très persévérant dans des jeux. Man! Ok. Je vois le monde qui vont regarder la vidéo et vont dire « Ah, il est bien pourri, sérieusement. » Eh ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est pas un bouton, pourquoi c'est pas encore? C'est payé qu'à payer mon affaire. Je l'avais quasiment. Bon. Ouais. Ça là, puis lancer des maudits batarangs dans Batman, là, ça fait vraiment ma peur. Merci Eric, c'est gentil du commentaire. Ah tiens, j'ai eu pareil. T'auras pas le temps d'aller aux toilettes, jeune homme. Ah. Ok, c'est beau, je suis pas doué, ok, pour ça. Bon, ça arrive. Hein? Ah bon. Mais ouais. Si tu l'achètes Eric, moi aussi je vais aller te voir jouer, je vais rire de ta gueule. Hein, one shot, et voilà! Hein, c'est moi qu'on gère ça. Quasiment.
Wow, ça a pas été si long que ça, là. Wow, non, wow. On se calme, le pam-pam. Ah non. Parce que j'ai voulu me cacher, mais j'ai oublié de tirer. C'est pas fort, hein. Là, je vais essayer les balais de tir, voir ce que ça donne. Sur eux autres, ça sert à quelque chose. Pas trop, non, finalement. C'est pas l'idéal. Ok. Non, pas ça, ça. Ok, ça, ça devrait être correct. Ok, mais arrêtez d'en lancer, c'est ridicule. Je les ai eus. Il en a perdu la tête. Bon, encore. On va réessayer cette histoire-là. Tasser de là parce qu'on tombe sur la tête. Bon, là j'ai fait un truc par là, fait que donc j'imagine que. Je pense que c'est pas bon ce que je viens de faire là. Oh yeah! Ah, oh, quasiment. Celui-là, ça va vraiment pas évident, je pense. Waouh, wow, ok, c'est ça. Hey, je suis juste au premier niveau, on s'entend. Hein? Imaginez-vous comment ça va être compliqué rendu très loin dans le jeu. Sérieux là? J'arrivais puis c'est comme la balle a dû. Ah, oh, moi, non! Je refuse d'aller plus haut. Ah, c'est chiant ça. Sérieusement là. Je l'avais. Ouais. En plus de ça, faut que je suive les zones, hein? C'est ça l'affaire. Pourquoi que je l'ai tout le temps du premier coup, puis j'arrive pour l'avoir, puis il y a quelque chose qui arrive, puis après ça je suis plus capable de l'avoir. Pourquoi qu'il descend tout le temps au même moment? Ah! Ok! Ça, je savais pas qu'on fait ralentir le mouvement, par exemple. Sérieux, là? C'est chiant, ça. Ah, c'est ça! Eric, va te chercher des croustilles. C'est supposé d'être une vidéo de présentation, puis vous foutez de ma gueule, c'est gentil, pareil, pendant la vidéo. Je suis en dehors de quoi, moi? D'habitude, je fais mes vidéos super sérieux, puis là, on va oublier ça, là. Ah, c'est ça. Ok. Quoi qu'il n'y a pas voulu? Et hey, pourtant là, hein? Ah, c'est n'importe quoi. Eric, c'est pas gentil ça. Ah. Bon, on va recharger. Une chance que les balles sont infinies. Toujours à la même place, hein, c'est...
c'est chiant ça, quand même là. Mais c'est là que je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire rendu là. Sûrement les ondes, je pense qu'ils ne se rendent pas assez haut. Ah. Sérieux, là, c'est n'importe quoi. Là. Je vais me fâcher. Le pire, c'est que si j'étais pas en train de montrer le jeu, là, parce que là, je suis nerveux pas la main, là. Je suis sûr que ça fait longtemps que j'aurais réussi du premier coup. Ah. Ah, sérieux. Oups. Pas, comment ça, je peux pas me rendre là? Il y a quelque chose que je sais pas de correct pour certains parce que. Sérieux là. Ça a l'air facile de même, mais avec une manette, c'est pas évident à contrôler le mouvement non plus. Là. Ok, là, faut que je me calme. C'est juste ça, sérieux, là. Fait que je pète celle-là pour avancer, là. Je sais pas, c'est ça qui bloquait les ondes, d'abord? C'était quoi, ces bidules-là, en haut, là? C'était pas là, tantôt, ça. Ouais, c'est ça qui arrive, là. Ah ben oui, t'sais, 3. C'est pas fair ça là. Yes! Et puis ça m'a donné quoi de faire ça? Hein? J'ai aucune idée. C'est sûrement pas ça là. Tu vois quelque chose? Non, pas encore, évidemment. Ok, je vais essayer peut-être avec ça. Honnêtement là, j'ai beau essayer de chercher là, et rendu en haut, on dirait qu'il n'y a plus de jus pis ça rentre. C'est quand même bizarre. Aïe aïe aïe. L'art d'avoir là d'un épais quand tu as des jeux, c'est ça. Ok, il y a sûrement quelque chose que je comprends pas là. Changer de module, non, c'est correct, ça c'est correct.
Attends, je vais aller chercher. Ah, oh, c'est pas ça. Attends, je vais aller chercher genre d'espèce de bonus dans le haut. Pourquoi j'en ai aucune idée? Pourquoi ça me dit RT? Pouvoir l'exploser à distance? Non, sérieux là? C'est pas fort. Si vous avez la solution sur le chat, là, allez-y. Hein. Parce que moi, je suis comme à court de solution présentement. Là. Je pensais peut-être que il était pour me suivre en haut puis je le ferais exploser de même, mais ça n'a pas l'air. Ça donne J'ai plus de problème à me rendre en haut. Le problème c'est qu'est-ce que je fais en haut. Ah ouais, je pense que je viens de découvrir c'est quoi là. Ah ok. Ce sera pas évident, mais je pense que je suis capable de l'avoir. En fait, il faut que je fasse des zigzags. Genre comme ça. Pour que la balle suit. En tout cas, l'espèce de projectile rouge va frapper l'autre. Ah, là ça va pas. J'essaie d'aller trop vite là. Ouais, ça sera pas évident. Non, ça je sais, Eric. Ça, c'est les ondes radio. Je sais. Sauf qu'en fait, il faut que j'emmène des munitions vers moi. Pour qu'ils puissent, je pense, taper ça, mais je suis pas sûr. Hey, sérieux, ça fait comme 10 minutes que je gosse là-dessus. C'est n'importe quoi, là. Ah oui, bravo dans le mur. Bon, appuyer sur n'importe quel bouton, ça sert à rien finalement. Décidément, je comprends vraiment pas. Peut-être moi qui ai pas vite là, mais bon. Voyons donc, pourquoi que j'ai... Je pensais qu'il était allé dessus, là. Je
c'est bon ça, non? Ah! Celle-là, je la comprends pas. Ouais, sérieux. Je l'avais quasiment. J'avoue que celle-là, je la comprends pas. Il explose dessus, on s'entend, hein, puis ça fait rien. Je suis sûr, dans le fond, c'est super con. Oh, hein? Ah, shit. Je vais dire ça, c'est du talent, mais non, pas pense. Petit coup de chance. Ah, ça, c'était pas bien. C'est vrai que quand je fais ça comme ça, je suis dans la zone, ça explose en moi. On dirait que selon le rayon, on dirait ah. Ok, j'essaie quelque chose que j'ai peut-être pas essayé encore, j'ai peut-être compris l'astuce. Et voilà, merci beaucoup! Ok! Vous pouvez arrêter de rire! Mais sérieux, c'est n'importe quoi, ça m'a pris ben trop de temps à faire ce bout-là. Bon, c'est quoi? Ah, ok, ça doit avoir rapport avec l'électricité. Ah, j'ai pas besoin de ça, moi. Juste l'électrique. Ah, qu'est-ce que je peux comprendre encore? Ça a-tu rapport, ce petit bout-là? Ok, bon. Faut savoir quel bras il était là. Bon. Ouais, mais Eric, faut être persévérant, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai cette capacité-là dans les jeux vidéo, je suis très patient. Puis tant que je le réussirai pas, je vais le recommencer, c'est pas compliqué, là. Là, faut que je trouve comment faire maintenant ici. À moins que c'est juste de casser des vitres là, je sais pas trop, je vais changer, non pas ça.
Non, ok. Ah! Ok, là, il y a un nom de radio ici. Que je viens de voir. Mais... Quoi, c'est sur quoi faut que je tire? Non, visiblement c'est pas ça. Ouais, mais... Non. Ok! Je vais te comprendre! On va ici. Là, dans le fond, ici, ça va ouvrir. Ça va fermer. Ouais. Et voilà! C'est très, très bon ce que je viens de faire là. Sérieusement, là, bravo! Et, hein, c'est pas mal fort ça. Bon, maintenant qu'on sait comment faire. Ça va être moins long un peu. Bon, ok. Là, faut que je change ça ici. Comme ça. Et voilà. Non. Ouh, yeah! Ah, ok. Bon, c'est quoi le corps ici? Faut que je me cache là. Wow! Oh! Premier boss! Ouais, non, ok. Wow, attends une minute. J'essaie de la comprendre. Ok, stop pas ça. Ouais, c'est ça qui arrive, hein? C'est. Je suis comme explosé, mouru pas mal. Là, ce qu'il faut que. Ok, là, je vais me tasser, je parlais pas de chance qu'on me tente. Si je change ça. Ça change pas grand chose. Finalement, je pense qu'il faut vraiment que je l'attaque. C'est-tu une jauge de vie quelque chose, hein? Oui, ben oui! Ben oui, tu sais, pas de problème, tu sais, y'a pas beaucoup de, tu sais. Ouais, je sais, faut que je tue son réacteur, mais j'ai pas d'onde radio pour faire suivre le petit missile. Je sais pas s'il faut que je saute dessus ou quoi, là, mais bon. De toute façon, je vais arrêter la vidéo bientôt, ça fait une heure. Donc... Je sais pas si en sautant. Ouch! Je fais ça quand même, là. Ok. C'est bon, c'est assez. J'en ai assez vu pour un soir. Mais, à part que je suis vraiment pas bon, hein, vous avez pu le remarquer, j'aime vraiment le jeu, sérieusement. Hein. C'est un jeu qui va être difficile, mais il y a trop de bonnes qualités, ce jeu, pour passer à côté. Ouais. C'est un bon jeu jusqu'à date, sérieusement. Là. Je vais rusher pas mal, mais quand même, c'est bien. C'est le fun des fois de pas toujours jouer à des jeux faciles, on s'entend. Là. Donc, c'était Dovahkiin pour Explorageur sur Rise and Shine sur Xbox One. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo et rire de ma gueule sur le site de Facteur Guy qui va avoir l'article avec la vidéo. FacteurGuy.com, bien sûr. Sinon, il y a la chaîne FGTV sur YouTube.
Il y a notre chaîne, ma chaîne aussi personnelle sur Twitch, Adovakin. Dailymotion, je pense pas qu'elle va être là parce que malheureusement, on est réduit à 1 heure, puis je pense que je l'ai passé 1 heure. Fait qu'elle sera peut-être pas sur ma chaîne Dailymotion, malheureusement. Vous pouvez nous envoyer un commentaire, une suggestion au factorgeek@gmail.com. Sinon, il y a le Twitter, le Google Plus, le Facebook de Factor Geek et il y a mon Twitter personnel à Davakin, que vous allez pouvoir aussi m'envoyer des petits commentaires en riant de ma gueule. Mais j'ai vraiment hâte de vous voir, vous, ceux qui regardez la vidéo, si vous... de vous voir jouer. Envoyez-moi un petit message à un moment donné. « Hey, je suis en ligne, là. Viens donc me voir jouer pour la fun. » Soit que je vais rire de vous, ou soit je vais faire encore plus rire de moi parce que je suis vraiment pas bon. Mais quand même. Donc, en terminant, en terminant, parce qu'il faut terminer un jour... Amour, paix et que la force soit dans le jeu vidéo. Et continue à rire de ma gueule. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine!